Bonjour à tous. Donc, nous sommes à l'Université de Lille 1, et nous, Lille 1, l'Université de Lille, bientôt. Et nous travaillons de concert entre des enseignants et le système de numérisation de l'université. Et c'est un projet qui a pour but de rendre accessibles nos ressources à un public, bien sûr, d'étudiants, mais également un public un peu plus large de collèges, de lycées et d'étudiants d'autres universités. Donc, nous avons un patrimoine d'objets qui sont historiquement relativement importants, qui datent, à un moment donné, nous étions pas loin du Muséum d'Histoire Naturelle, donc nous avons des collections qui proviennent de là. Et notamment, nous avons des oiseaux, des bocaux, des squelettes, qui sont remisés dans des salles qui sont relativement réduites, qui ne sont pas accessibles aux étudiants, mais qui ont pour but de quand même protéger ces objets. Et donc ça concerne la biologie animale, bien sûr, la biologie végétale. Ça concerne aussi au sein de l'université d'objets particuliers en physique. Et on pourrait l'étendre aussi aux objets de géologie, tout ce qui est objets ou spécimens qui sont un petit peu plus nombreux dans leur spécialité. Donc ces objets peuvent être pour certains utilisables par les étudiants sans trop de difficultés parce qu'on en retrouve relativement facilement, mais certains objets ont vraiment une histoire et c'est des objets qu'on ne retrouve plus actuellement. Donc c'est des objets qu'il faut préserver, qu'on essaye de sortir tant qu'on peut pour certaines séances de travaux pratiques, mais parfois les objets sont dans un tel état qu'il faut absolument les protéger. Donc, une des réflexions qu'on a eues, c'est comment faire pour pouvoir continuer à les utiliser, soit d'un point de vue et les conserver, soit d'un point de vue pédagogique ou d'un point de vue muséal, parce qu'on a les deux aspects qui nous intéressaient. Donc, une des choses que nous avons envisagées, c'est l'achat d'un appareil un petit peu particulier. Donc bonjour, Bernard Mikulaszik, je travaille à la direction d'innovation pédagogique, Université de Lille. Donc comme Pierre-Éric vous a dit, il a fallu trouver une méthode, un système qui permet à la fois de montrer au niveau patrimoine ces échantillons et une utilisation pédagogique. Donc nous avons mis en place depuis un an et demi une salle, une plateforme, un système de numérisation en place. Il a fallu trouver une technologie qui montre l'objet au plus près, dans tous ses détails. Donc la technologie que nous avons utilisée, c'est un système qui permet de prendre une multitude de photos d'un objet et de créer une sorte de matrice, que je vais dire sphérique ou hémisphérique, autour de cet objet. Donc la meilleure façon, c'est de le montrer. Voilà, ça va se lancer. Donc, je vais vous montrer un exemple du microscope de Pasteur. Alors, c'est un très bon exemple parce que c'est le microscope que Louis Pasteur a manipulé vers 1885. Il est difficilement accessible puisqu'il est sous vitrine. Il n'est pas très, très utilisé. Voilà. Donc, notre méthode, comme je vous l'ai dit, c'est de prendre une multitude de photos, ce qui permet de générer des animations qui vont nous permettre de faire bouger notre objet. Ça va nous permettre également de faire des zooms dans cette animation et de voir l'objet au plus près.
On utilise des appareils en très haute définition qui vont nous permettre également, voilà, par des zooms, de voir les moindres détails de notre photo. Donc là, la première animation que je vous montre, c'est une animation 360, donc on va tourner aussi, on va tourner autour de l'objet. Et le système est composé d'un bras articulé comportant 5 appareils photo, et ça va nous permettre de prendre une multitude de photos via cette matrice qu'on a autour de cet objet. Donc là, vous voyez que j'arrive à me déplacer vers le dessus et à zoomer pour voir les moindres détails. Donc les domaines à Lilin, c'est essentiellement la biologie animale, la biologie végétale. Donc je peux vous montrer par exemple un ouzou en lien avec la présentation qu'on a eue tout à l'heure. C'est où l'ouzou déjà? Il y en a tellement. Modèle et planche. Voilà. Voilà, donc ça c'est un modèle ouzou d'une tête de vipère. Et je peux vous le montrer en 360. Voilà, donc là, on peut se déplacer et aller voir les moindres détails. Voilà, donc je vais assez vite pour vous montrer tout ça. Donc les autres domaines, c'est on travaille également avec des objets de physique. On travaille également en paléo sur les fossiles, où là on peut faire des animations qu'on dit sphériques, où on va pouvoir tourner l'objet dans tous les sens, voire surtout en dessous de cet objet. On travaille également en géographie. Donc la géographie, ce sont des maquettes qui sont réalisées par des étudiants. Donc ça dure plusieurs mois pour fabriquer ce type de maquette. Et l'idée, c'était de les sauvegarder parce qu'elles sont jetées à chaque fois. Donc là, on s'est dit, pourquoi pas faire une base de données et puis numériser également ces maquettes. Je vais revenir sur le diaporama. Hop. Voilà. Donc ces animations, vous avez vu, bon, on se déplace sur l'objet. C'est une animation qu'on appelle nous de premier type. Ce sont des animations assez simples. Et on s'est dit qu'il faut également les utiliser pour la pédagogie. Donc, donc on avait, vous voyez ici, on a un crâne de chien éclaté, et ce crâne de chien, ben, on l'utilise pour les enseignements. C'est un crâne de chien qui est relativement fragile, parce que c'est des choses qu'on voit plus trop actuellement au niveau achat de matériel. C'est assez long à réaliser, mais c'est quand même un outil pédagogique important. Donc comment le valoriser? Eh bien, avec ce système que nous avons acquis à l'université, eh bien, on peut faire des enrichissements de l'autodermie, par exemple, pour montrer certains os particuliers. Donc c'est un travail qui est relativement long à réaliser, parce que c'est un travail qui nécessite du graphisme, mais c'est quelque chose qui, une fois que c'est fait, bien c'est vraiment exploitable pour les étudiants en dehors de la salle de travaux pratiques, parce que les étudiants n'avaient accès à ces modèles que durant une séance qui dure 2 à 3 heures maximum. Et le but, c'était qu'ils puissent travailler chez eux de manière vraiment à la demande, quand ils le veulent, et avoir tous les éléments nécessaires pour étudier de manière autonome.
Donc c'est quelque chose qui a fait l'objet de demandes de financement au niveau de l'université pour pouvoir mettre du personnel dessus, continuer à acquérir du matériel, et notamment on a fait des demandes au niveau d'initial et qui nous ont permis d'obtenir un projet que tu vois, qui est en fait un prolongement. Les étudiants leur fournissaient des polycopiés, et ces polycopiés, sont incomplets, bien entendu. Et si, par le biais, c'est un projet qui est en cours de réalisation, qui a commencé l'année dernière, et qui maintenant nous permet de créer des fiches pour chaque squelette que nous avons. Par exemple, ici, vous avez maintenant le squelette d'un hippopotame, et sur lequel on va montrer, dans ces fiches, on va donner les caractères que nous cherchons à développer. Donc ici, c'est des éléments du squelette, mais il y a aussi des éléments sur le régime alimentaire, sur les différents types de dents que cet hippopotame présente. Donc on va montrer, par exemple, les dents labiales ou les dents jugales. C'est des choses qui... tout ça demande un consomme beaucoup de temps, qui ont permis, mais qui ont été permises grâce à ce matériel vraiment important. On a choisi un matériel qui est photographique, qui permet d'avoir une résolution importante, donc des zooms et des zooms qui sont réalisés. Donc il y a cet aspect qui est vraiment pratique et cohérent, mais qui n'est pas terminé, pour montrer un petit peu nos développements de biologie. Alors, la technologie qui est utilisée pour notre système, donc, je vous l'ai dit, c'est un système, en fin de compte, on s'est basé un peu sur le système du e-commerce. Vous avez tous vu sur les sites d'achat, on a la possibilité de visualiser maintenant les sacs à main ou n'importe quoi. Donc nous, on a repris cette idée-là, enfin cette technologie-là, et on l'a adaptée pour pouvoir faire vraiment des prises de vue de très haute qualité. L'idée, bien sûr, c'est plus on a d'appareils photo et mieux c'est. Et donc vous voyez sur ce visuel ici, vers la droite, on pose simplement un crâne sur un plateau tournant, et on va lui dire de faire tourner cet objet. Et à chaque fois qu'on va avoir un positionnement de l'objet, on va venir tirer en rafale comme ça. Et ensuite, on a des logiciels qui vont nous assembler automatiquement ces images, qui vont nous générer des animations. Et le gros avantage de ce système, c'est qu'on peut vraiment travailler par flux d'objets. C'est-à-dire qu'une fois que le positionnement est fait, une fois que l'éclairage de l'objet est fait, si on a 10, 20 ou 30 crânes de ce type-là, on peut vraiment travailler en rafale. Donc ça, c'est quand même important, parce qu'au niveau rentabilité et coût, c'est quand même intéressant et rapide. On s'est dit aussi que ces animations, il faut les voir de n'importe quel... Il faut qu'elles soient multi-support. Alors multi-support, ça veut dire qu'elles sont utilisables sur smartphone, tablette, système iOS, système Android. Ça, c'est hyper important aujourd'hui. Il faut qu'elles soient souples, légères. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, surtout avec les smartphones et les tablettes, il faut que ça s'affiche assez rapidement, parce que si ça traîne, on sait comment ça marche. Hein. Les étudiants ne vont pas regarder. Et surtout, adaptable au niveau des enrichissements, comme Pierre-Yves vous l'a dit, c'est qu'on peut facilement les reprendre et puis facilement adapter
adapter un scénario pédagogique sur ces animations. Alors, je voulais rajouter, vous en avez vu nos collègues. Oui, en conclusion, oui. Que vous avez vu les nombreux échantillons que nous avions. Un tel type d'appareillage permet à la fois d'aller vers du tout petit. On a par exemple posé comme challenge, parce qu'à chaque fois c'est un challenge pour ceux qui vont numériser les échantillons, c'est un crâne de taupe, par exemple, vraiment très petit. Et le prochain challenge, c'est une défense de narval qui est relativement importante, qu'il faut faire tenir droit et qui ne bouge pas quand elle tourne. Donc c'est vraiment à chaque fois des challenges qui sont proposés. Bon, j'en profite simplement pour ajouter que donc au niveau du projet, vous avez vu que ces animations sont faites à partir de vraies images, mais on travaille aussi sur un autre concept qui est la vectorisation, c'est-à-dire qu'on récupère toutes ces images et on recrée un objet qui est vectoriel. L'idée par la suite, c'est qu'on commence à pouvoir recréer le même objet à l'aide d'impression 3D. Voilà, donc ça c'est une des pistes sur lesquelles on est actuellement. Et je vais simplement ajouter qu'on a travaillé par exemple sur la numérisation d'une statue égyptienne qui date de moins 600. Et ces animations-là sont actuellement utilisées par les enseignants de l'île 3 pour faire de la recherche scientifique. Parce que cette statuette, ils ne l'ont pas entre les mains. Elle nous est venue en très très peu de temps. Il faut la numériser, elle est tout de suite repartie dans la collection privée. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train d'utiliser ces animations pour leur recherche. Voilà. Ah, merci beaucoup.